Bonjour, je suis Bernard Carrière. Je suis dans la compagnie depuis un peu plus de 60 ans. J'ai commencé à donner des exercices spirituels. J'arrivais à 50 ans. Je n'avais pas eu l'occasion de le faire jusque-là à cause des tâches qu'on m'avait confiées. Mais je peux dire que ce qui m'avait mis en marche avant même de donner les exercices, c'est l'accompagnement que j'ai eu à faire à la fois comme vice-provincial pendant 3 ans et comme provincial pendant 6 ans. Au long de ces années, j'ai pris conscience que l'accompagnement spirituel, puisque le fait d'écouter ses compagnons, c'est de l'ordre d'une expérience spirituelle, m'avait fait découvrir que j'aimais écouter et que j'avais la capacité de me mettre en état d'écoute. Et donc, avant même de donner les exercices, ce qui m'habitait, c'était le désir d'accompagner spirituellement des personnes. Alors, je me suis intéressé, je dirais, un peu par la force des choses et par la mission qu'on m'avait confiée aux exercices spirituels, puisque à la fin de mon mandat comme provincial, je savais déjà que j'allais être instructeur du troisième an et que j'aurais un peu de temps pour me préparer. Donc, cette perspective de donner les exercices était déjà très présente pour moi dans ma pensée, puis aussi dans le désir qui m'habitait. Peut-être parce que j'avais été formé en littérature et que j'avais été professeur pendant quelques années, j'avais le goût d'explorer le texte lui-même des exercices spirituels, de mieux le connaître. Et donc, pendant les quelques temps dont j'ai disposé, je me suis mis à lire et à approfondir le texte des exercices. Ce que j'ai fait surtout à travers des lectures parallèles de jésuites qui avaient écrit sur les exercices spirituels. Ce que j'ai retenu surtout au début, c'est la manière d'écrire de Saint Ignace, l'attention qu'il portait, qu'il porte aux mots, qu'il choisit, et le souci qu'il a à la fois de permettre à quelqu'un de faire une expérience spirituelle, mais d'aider aussi la personne qui accompagne. Le texte des exercices spirituels nous révèle d'abord que Saint Ignace a mis beaucoup de temps au point de départ à départager sa propre expérience spirituelle de celle des personnes qui l'accompagnaient. Il y a un passage dans les exercices, dans les annotations, la 15e annotation, où Saint Ignace dit que quand on accompagne dans les exercices spirituels, il est important de permettre que le Créateur se communique lui-même à l'âme qui lui est fidèle, l'enveloppant dans son amour et sa louange, et la disposant à entrer dans la voie où elle pourra mieux le servir à l'avenir. Pour moi, ce texte des exercices, qui a été souvent commenté, nous fait découvrir que quand on accompagne, on a d'abord à écouter pour percevoir la manière dont le Seigneur conduit quelqu'un. Et donc, on ne sait jamais à l'avance ce qui se produira dans les exercices. Je me souviens en particulier d'une année où j'accompagnais une religieuse qui était une femme de grande expérience spirituelle et un jeune prêtre. Et j'avais l'impression, à chaque jour, que chacun vivait une expérience presque totalement différente. Pour la religieuse, c'était un approfondissement, je dirais même une entrée dans la profondeur de Dieu, alors que pour ce jeune prêtre, c'était d'abord une découverte de l'importance de la prière dans sa vie. Alors, chacun a vécu une expérience authentique à travers les exercices spirituels, mais les fruits de l'expérience
ont été assez différents dans le code de l'un et de l'autre. Et en particulier, la religieuse qui était déjà atteinte d'un cancer, elle vivait cette expérience comme un abandon à l'action de Dieu. Alors que pour le prêtre, c'était beaucoup une manière d'accueillir sa vocation sacerdotale à un autre niveau, non pas seulement comme quelqu'un qui exerce un ministère, mais comme quelqu'un qui est appelé aussi à vivre une relation privilégiée avec Dieu. Donc, le texte des exercices, pour moi, a été un instrument qui m'a aidé beaucoup à accompagner les personnes, surtout dans l'expérience des exercices de 30 jours. Et je peux dire que j'étais, peut-être par la force des choses, parce que je l'ai fait pendant plusieurs années, j'étais appelé à donner les exercices chaque année, parfois deux fois dans l'année. Donc, c'est devenu comme une façon d'approfondir les exercices. Mais l'autre manière d'accompagner les exercices, c'est dans la vie courante. Au troisième an, mon propre troisième an avec Gilles Cusson, j'avais été initié à la manière de donner les exercices et je m'étais intéressé déjà à cette façon d'accompagner, mais je ne l'ai pas fait immédiatement après mon troisième an. Pour moi, la difficulté que j'ai toujours rencontrée dans les exercices accompagnés dans la vie, c'est de fixer la durée de l'expérience. Je dis à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, bien, il faut que vous acceptiez de donner 2 ans au moins, peut-être plus, à cette expérience que je vous invite à vivre. Une seule fois, j'ai pu accompagner quelqu'un sur une année dans les exercices, mais c'était quelqu'un qui était très décidé, puis en même temps aussi, qui s'était donné un programme de vie au début de sa retraite, où il pouvait chaque jour donner un temps assez long aux exercices. C'était presque les exercices intensifs qu'il vivait. Alors, si je résume un peu la perspective que j'ai de ces deux manières de donner les exercices, je dirais que les exercices de 30 jours conduisent le retraitant à une expérience qui est de l'ordre mystique. C'est-à-dire qu'il est appelé à toucher sa relation à Dieu dans la profondeur de son être, au point que certains, à la fin, pouvaient se demander comment ils allaient pouvoir continuer leur vie s'ils ne donnaient pas un temps assez long chaque jour à la prière. Alors que, pour ce qui est des exercices dans la vie, pour moi, c'est beaucoup plus une expérience de recherche d'unité dans la vie, une manière de trouver comment faire en sorte qu'il y ait une continuité entre le désir de Dieu qui habite quelqu'un et ses autres activités, et surtout le travail, les activités professionnelles qui souvent sont, sans être un obstacle, sont presque une manière de vivre parallèlement à côté de ce qu'est l'expérience spirituelle. Je reviens au texte des exercices pour rappeler d'abord que le texte des exercices lui-même nous fait découvrir que le Saint-Ignace a voulu ouvrir un chemin de purification en vue de conduire quelqu'un à s'engager dans la vie. Donc, cette démarche de la purification, on pourrait dire aussi, comme pour reprendre le mot de Saint-Ignace, c'est une démarche de remise en ordre de sa vie, exige de la part de la personne un consentement qui n'est pas
pas donné au point de départ, ou du moins entièrement donné. Plus on avance dans les exercices, plus on découvre que quelqu'un se rend compte que c'est tout son être qui est engagé et que s'il n'accepte pas de se donner entièrement, il ne vivra pas une expérience authentique, hein, qui l'amènera à vraiment une transformation intérieure. J'ai donc accompagné des personnes sur les deux modes dont je viens de parler, mais aussi j'ai eu l'occasion de donner très souvent des retraites à des groupes. Et alors à ce moment-là, l'expérience est beaucoup plus un enseignement qu'on livre au plan spirituel en essayant d'engager la personne à vivre elle-même une expérience qui soit d'ordre personnel, qui soit pas seulement d'écouter, mais aussi de se laisser rejoindre. Et donc, quand je fais un exposé, ou à chaque fois que je fais un exposé durant les exercices, à la fin, je résume en quelques formules, hein, ce qui peut aider la personne à poursuivre dans la prière ce que j'ai voulu présenter dans mon exposé. Dans mon propre cheminement avec les exercices spirituels, j'ai donné beaucoup d'importance à des auteurs, des lectures que j'ai faites. Le premier qui m'a certainement marqué, hein, ça a été Gilles Cusson, même si à la suite de mon troisième âge, je n'ai pas tellement lu de ses œuvres, mais il m'a enseigné par sa manière d'accompagner l'importance, hein, d'être attentif à ce que vit la personne et de permettre à la personne elle-même de en quelque sorte, de s'épanouir dans l'expérience des exercices. Mais les lectures que j'ai faites dans la suite, hein, ça a été surtout à partir d'auteurs spirituels français, des jésuites français, dont je peux mentionner quelques noms. L'auteur qui m'a d'abord aidé beaucoup, hein, ça a été le père Jean Laplace, hein, qui avait donné une session sur la manière d'accompagner les exercices spirituels, et j'avais eu la chance, hein, d'avoir les notes de cette session qui avait été donnée ici au Québec, à la fois pour des prêtres et des religieuses. Le père François Varillon aussi m'a aidé, mais surtout dans des retraites que lui-même a accompagnées, les ouvrages qui ont été tirés de ces retraites. Jean-Claude Dautel, qui a écrit sur les annotations dans les exercices, est certainement celui qui m'a appris le plus. Mais le père Maurice Giuliani, qui a eu une très longue expérience d'accompagnateur dans les exercices, m'a donné peut-être quelque chose qui est de l'ordre d'un esprit des exercices spirituels que j'ai découvert à travers ses écrits. On pourra donner en conclusion à mon exposé, pour présenter le livre que le Père nous a laissé, un livre en particulier qu'il nous a donné sur Saint Ignace, qui est intitulé L'accueil du temps qui vient, c'est-à-dire à la fois sur Saint Ignace et sur sa façon de concevoir l'expérience spirituelle. Et en terminant, j'aimerais aussi mentionner un auteur, hein, de la province du Canada anglais que je connais un peu, mais que j'ai fréquenté aussi, hein, qui est toujours vivant, le père Monty Williams, qui a écrit un très beau commentaire des exercices, plutôt un texte d'accompagnement des exercices spirituels où il peut parfois s'éloigner du texte, mais il nous fait entrer dans. Je dirais
dans la profondeur de l'esprit ignatien dans sa façon de présenter les exercices. Pour moi, donner les exercices, c'est comme entrer dans une vie qui est de l'ordre de la plénitude. Quand j'accompagne une retraite, j'ai l'impression de vivre intensément. Peut-être parce que la personne ou les personnes qui font les exercices me font le don de leur propre expérience et viennent souvent me rejoindre dans mon expérience personnelle, l'interroge, parfois me remettent en question à travers leur manière de vivre les exercices. Et donc pour moi, c'est bien sûr un ministère, les exercices, mais c'est beaucoup aussi une manière de vivre l'expérience spirituelle autrement que dans la prière personnelle.